Et bonjour à toutes et à tous les petits amis, c'est Shooté. Et on se retrouve aujourd'hui pour cet épisode numéro 6 de Resident Evil HD Remaster. La dernière fois, je vous avais laissé après après avoir battu tout simplement la plante 42. Oui, c'était bien ça, après avoir battu la plante 42 dans la résidence. Et du coup, nous étions revenus au manoir avec cette nouvelle clé qui est la clé casque. En se souvenant de ça, je sais qu'il me reste une clé ici. Je vérifie c'est laquelle. Je crois que c'est la seule autre qui me reste de toute façon. Clé épée. Quoi comme celle que j'ai pas pu faire avec. Enfin, que j'ai pas fait avec la clé épée. En vrai, il me reste juste une salle dans le hall à faire. Non, pas dans la cour. Hop. Le third floor, c'est la bibliothèque. Donc, c'est avec la clé que j'ai récupérée grâce à la plante. Voilà, tout ça j'ai fait, là ça va être ouais, ça... Non, je sais pas vraiment où est-ce que ça va être. Bon, je vais commencer à avancer au pire. Alors, je sais qu'il y a un Lickers normalement à la sortie. On va prévoir le coup. Au moins que je l'ai déjà tué. Ouais, mais par contre, il y en a un là-haut. Même pas. Non, bon, je suis mauvaise langue en fait. Pour une fois. J'avais laissé des plantes ici. Tant bien, j'avais pas de heal sur moi. Ah oui, vu que j'avais rattrapé ma sauvegarde en fait pour le let's play en traçant un petit peu, j'avais vraiment ramassé que. Enfin, j'étais pas passé ici pour. Ouais, j'étais pas passé ici pour récupérer le plan entier du deuxième. Donc oui, voilà, cette salle-là, hop, ici qu'il faut venir en premier de toute façon. Tiens, on va pousser la statue au fond. Cette énigme est assez simple en fait, une fois que tu la connais. La première fois, tu cherches un tout petit peu ce qu'il faut faire, mais... Une fois que tu as compris, ça va tout seul. Voilà, en plus, tu peux pas mourir dans cette salle, on va dire... Si la statue est au milieu comme ça. Les devs avaient prévu le coup, de toute façon c'est ça passe tout juste pour la remettre à sa place. Hop, ici, une pile. Je prends. D'ailleurs, on va équiper le taser. Voilà, ici, on descend. On récupère le premier livre avec la médaille du loup dans le premier, si je me trompe pas. Je vais voir tout de suite. Ah non, le médaillon de l'aigle. George Trevor, voilà, la tombe de Monsieur Trevor, l'architecte du manoir, si je ne m'abuse. Et
je ne cours pas. Putain, je me fais empoisonner comme une merde là. Putain, naturellement, ouais, je suis vraiment empoisonné quoi. Je vais pas les examiner. Elle. Putain, je vais y arriver. Et ça, mais je sais pas s'ils ont foutu des plantes bleues ici. Non. Par contre, il y a des cartouches de fusil, ça c'est cool. Non, t'es morte. On va recharger. Hop, ouais, maniaque du rechargement, ça c'est moi, faut pas chercher. Alors, ici. De ce côté-là, je crois qu'il y a que des zombies. Je ramasse la rouge aussi, au pire. Moi, c'est la bleue que je veux. Et on va recharger encore une fois. Parce qu'après en plus ici on n'aura pas à y revenir plus tard donc... Je peux bien tuer les zombies maintenant quoi. Voilà, on a remis le courant pour le fameux ascenseur. Et là, du coup, on va arriver directement dans les cuisines, si je ne m'abuse. Yep. Ouais, comme ça lui. Ah merde, plus de munitions déjà. Il y avait un poignard. Voilà, on appelle l'ascenseur. Et du coup, je vais récupérer directement la batterie si je ne me trompe pas. Ça, c'est plutôt cool. Combine la plante, s'il te plaît. Merci. Ah, je les one shot, mais ça m'emmerde. Aller là puisque là il y a la batterie et je voulais pouvoir vérifier aussi de voilà il y a des munitions de magnum. Au pire ça va être l'épisode tranquillou aller-retour.
Attends, je vais quand même vérifier les grenades. Je sais pas si c'est des normales ou des acides. Yep, c'est des acides, donc je vais pouvoir les combiner. Ça m'évitera un aller-retour. Voilà. J'aurais pas dû prendre deux armes avec moi en fait en pensant que j'allais récupérer des munitions, de toute façon j'aurais été tranquille après quoi. Par là c'est où? Que je me souvienne. On atterrit là, d'accord. Ça en atterrit tout en haut. Attendez. Elle me permet de repasser là et de retourner à la salle de save quand je veux, du coup. Allez, voir la porte de l'autre côté. D'accord, cette porte-là, elle est cassée. Ça, c'est la double porte qui mène à la bibliothèque, je crois, normalement. Ok, on se casse. Je vais faire un tour à la salle de sauvegarde la plus proche. Qui est celle. Bon, il faut que je passe par l'extérieur. Faut que j'aille passer par le jardin. Le manoir, pour le moment, je le trouve bien vide quand même. Pire, je vais aller débloquer la porte du hall au passage. Soit je passe par l'extérieur de toute façon pour aller à la salle de sauvegarde où j'ai commencé l'épisode. Soit je vais à la salle de sauvegarde à côté de l'infirmerie. Ouais, et j'ai pas débloqué la salle. Enfin, j'ai pas enlevé ma clé. Donc je vais aller là. Que je vois à peu près où est-ce qu'il faut que j'aille. Pendant que mon OBS pète un câble. Merci. Toi, tu l'as mangé, ta grenade. J'ai entendu courir direct quoi. Direct. Il s'est fait rect, tout simplement le zombie quoi. Je préfère aller à cette salle de save là au pire quand même. J'ai déjà fait le ménage ici avec les hunters? J'ai un doute. J'ai un putain de gros doute en fait d'avoir fait le ménage ici. Alors toi tu vas là. Toi tu vas avec les autres. Toi je peux te poser. J'ai un peu de heal en rap quand même qui traîne. Ça va quoi. Ça peut le faire. Sauvegarde, pas sauvegarde. Non. Allez, on est reparti. Du coup, faut que je monte à l'étage au-dessus. Je suis à combien? Je suis à 9 munitions. Voilà. Ça va. Mais nous, ça.
Putain d'enculé quoi. Dégage. Ça me ramène ici, j'ai compris. Et là, après, je vais aller me faire le serpent. Est-ce que j'ai assez de munitions du coup? Ah, ça, c'est la grande question du coup. J'en ai 6. C'est pas du tout si ça va suffire. Pire, on va tester. Hein. J'ai rien à perdre. J'ai pas fini d'utiliser la casque. Putain, c'est un truc de fou ça. Joystick qui fait des siennes. Je crois que j'ai loupé une grenade pour rien là déjà. Voilà, j'ai plus de munitions. Je fais comment moi? Essayer de me recasser. Faut que j'aille récupérer des mumus. Pas vraiment de choix sur ce coup-là. La salle de save est pas loin, de toute façon. Je prends quoi? Pire, je prendrai les 4 munitions de fusil à pompe au cas où. Il faut que je prenne. Je vais prendre mes grenades normales. Au passage. Comme je disais, épisode aller-retour. Hein. Ah là là. J'ai un peu de mal à rester vraiment concentré sur le jeu en plus aujourd'hui. C'est quoi cette salle? Angie. Donnerait qu'il y a un ennemi là-dedans. C'est pas la salle pour récupérer le. Ouais, si, c'est la salle que je pense. C'est la salle que je pense pour récupérer nos amis les. Les deux derniers joyaux. Alors toi tu vas... Non, je repasserai quand même au coffre. Au pire je ferai une save. Il me faut du heal de toute façon au cas où. Que voilà, il y en a un qui va nous servir pour la dernière boîte si je ne m'abuse, et un qui va nous servir
faut récupérer le disque mot. Le premier disque mot pour aller libérer Chris, même si je sais pas encore si je vais le libérer. Hein. Je sais pas s'il le mérite. Monsieur Chris. Ah, voilà. Ça c'est fait. Je vais aller récupérer le truc maintenant. Je te ferai au retour, toi. Je te ferai au retour. C'est le rouge ou le l'autre? Je crois que non, je crois que c'est l'orange là. Que je pose, je vais voir de toute façon. Mais non, c'est le rouge. Merde, j'ai posé le mauvais. Oh putain, j'ai bloqué. J'ai posé le mauvais. Le rouge, c'est un piège en fait. J'ai bloqué totalement le truc ou pas? Voilà, ils nous le remettent par terre, ça va, ils sont sympas. On va dire que c'est l'autre. Et voilà. On va aller déposer ça au coffre. Je reviens un peu la durée de l'épisode quand même. 22 minutes. Hop. Ça le fait à l'aise. Comme vous le remarquez un peu en ce moment, j'ai un peu de mal à tenir mon rythme au niveau des vidéos ou des streams. Les gens, je m'en excuse franchement parce que ça m'emmerde. Ça m'emmerde au plus haut point de ne pas pouvoir vous fournir le contenu que je voudrais. Enfin, autant de contenu que je voudrais. C'est vrai que Resident Evil, ça commence à faire quelques temps que ça traîne. S'il faut, je le finirai au couteau, quoi. Non. Là, je regarde pas par-dessus. Je la garde de côté. Voilà. Bah du coup je repasse par au-dessus. Directement là. On est reparti. Normalement le hunter est en bas. Ouais. On l'entend en fait le petit. Le. Comment on appelle ça chez les crapauds normalement? C'est pas vraiment un coassement qu'ils nous font là. Mais ouais, c'est pas vraiment un coassement. Faudrait que je regarde par hasard. Je trouve que j'essaierai possiblement de mettre une annotation. On verra ça en post-prod.
Non, c'est pas ce projet, je dis, mais voilà. Pour le peu de montage que je peux faire ou quoi. À l'heure actuelle. Alors, mon pépère. À nous deux maintenant. Voilà. Il devait pas manquer grand chose la dernière fois en fait. Enfin, au premier coup. Au premier coup, il devait pas manquer grand chose du tout. Sachant que là, il va me rester quand même une bonne grosse partie du jeu à faire. Et là, du coup, c'est la mé là, du coup, c'est la médaille du loup. Voilà. Ça, on a les deux médaillons pour ouvrir le laboratoire. Donc, on remonte. On remonte, on remonte. Je sors où, moi, déjà? Je sors en haut. Faudrait que je revienne dans le hall au pire pour me récupérer la boîte à ouvrir là avec le joyau maintenant. Pense que je vais le faire vite fait. Je peux passer par en haut en plus. Des fois que je croise un Hunter, on sait jamais. Les Hunters pop de nulle part dans ce jeu. Ça, c'est un peu ma hantise, on va dire, sur cette version du 1. J'atterris là. Non, voilà, c'est celle-là que je prends. C'est cette porte-ci, les petits amis. On repasse par le hall. Je crois pas que je vais avoir grand. À part la boîte, j'ai rien à récupérer. Je vais avoir un zombie à tuer. Je crois que j'en ai qu'un seul là-dessus, à cet endroit-là. Ouais. Normalement. Par ici. Les rubans, je suis preneur. Parce que sinon, je vais pas en avoir assez jusqu'à la fin du jeu. Ah, et dans cette salle, il y a un zombie. Dire ce zombie d'ailleurs, c'est un peu la hantise des speedrunners. Voilà, petite anecdote. Un poignard. Et pas une plante rouge avec? Ah non. Bon, on repart du coup. Hop, on a récupéré la boîte. Je vais faire la petite énigme du puzzle de la boîte là pour l'ouvrir. Ce qui va me permettre d'obtenir la clé, la broche, en fait, qui me donnera la clé Spencer. Si je me trompe pas, c'est ça. Ouais, ça doit être ça.
Donc, je vais remonter par ce côté-là. Et dans tous les cas, ouais, autant passer par ici, puisque je suis obligé de passer par la salle de save pour le joyau. Là, c'est rapide avec moi. Une grenade, un mort. Bon, à part pour les hunters, c'est différent. J'avais déjà dû faire le ménage au-dessus là, en fait, pour les hunters, je remarque. Je n'étais pas sûr de l'avoir fait. Alors, hop. Ça avec les autres, toi tu dégages. Voilà, on obtient les pièces de la boîte à bijoux. Alors, toi, t'es là. Toi, tu vas là. Il va bien comme ça, lui. Oh. Peut pas être aussi précis non plus, quoi. Ah non, et du coup c'est elle qui va là. Non, pas quitter l'énigme. Comme ça, on a dit. Celle-là, elle va là. Ouais, là quand même, va pas falloir pousser quoi le jeu.
D'accord, maintenant que j'ai placé l'eau, t'as pu rentrer. Surtout que c'est le centre qu'il faut que je place en dernier. Voilà. Et du coup, j'obtiens la broche qui me donne la clé Spencer. Voilà, comme j'avais bien dit. Ah putain, presque 10... 10 minutes pour une putain de clé, quoi. Pour une putain d'énigme. Un poignet avait été réparé. Ça, c'est pas faux. C'est plutôt cool. Du coup, voilà, j'utilise la clé emblème Spencer et je vais dans cette salle-là. Ah, voilà, on va finir sur ça. De toute façon, les petits amis. On récupère quoi d'important ici? Ah voilà, une partie de l'objet métallique pour le deuxième symbole. Pardon. Une pile. Des cartouches de fusil, ça tombe très bien. Et voilà, on a récupéré l'objet métallique. On n'est pas obligé de le faire maintenant, mais au pire, ça évite un aller-retour, je crois, par la suite. Enfin, ça évite d'y passer, surtout après s'être tapé les grottes. Et d'avoir une clé qui traîne. Un certain temps dans l'inventaire, quoi. Et que ça prenne de la place pour rien. Donc, du coup, les petits amis, je vais m'arrêter là. Pour un épisode tranquillou. Comme j'avais dit. Toi, tu me serviras plus. On va prendre la batterie pour la prochaine fois. Même pas de quoi me faire un heal complet. Prendre un spray et voilà. Et on sauvegarde du coup, on sauvegarde. Ah non, 10. Je suis con, 11. 11, c'était mon autre partie encore. Je venais tout juste de battre la plante 42. Je suis même pas retourné au manoir dans mon autre partie encore. Enfin, je m'en souviens. Donc voilà. Sur ce, moi les petits amis, je vous dis à la prochaine chose.